Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, dans la parole de Dieu de ce dimanche, nous sommes invités à contempler notre valeur aux yeux de Dieu, l'amour dont il nous aime et nous a toujours aimés, et la réponse que nous devons donner à cet amour qui vient de Dieu. Toute la liturgie de ce jour nous dit une grande vérité. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir les hommes mourir. En effet, nous le savons, le péché est venu, la mort est venue du péché, de la désobéissance de l'homme et sa difficulté à répondre favorablement à l'amour qui vient de Dieu. Nous avons malheureusement choisi, frères et sœurs, de nous défaire de Dieu, de rompre la relation d'amour qui nous donne la vie, la santé et l'être. Mais Dieu, nous le voyons, n'a jamais abandonné ses enfants. Il a envoyé son Fils unique dans notre monde pour restaurer cette relation d'amour en donnant sa propre vie sur la croix. Dieu ne peut nous laisser aller à la mort. Frères et sœurs, cette expérience de l'amour infini de Dieu, nous la retrouvons dans l'évangile de ce jour. Jésus opère deux grands miracles. Il redonne vie à deux personnes en particulier, et à travers elles, c'est à notre humanité que notre Seigneur Jésus-Christ redonne vie. Je voudrais m'arrêter, frères et sœurs, sur la guérison de la femme qui saignait depuis 12 ans. Cette femme s'est abandonnée au médecin et a placé son espérance et sa foi dans ses biens. Elle se disait, comme nous tous d'ailleurs, qu'en trouvant de bons médecins, qu'en mettant de gros moyens en jeu, elle retrouverait la santé. Pour elle, comme souvent pour nous, tout dépend des moyens déployés. Frères et sœurs, après 12 ans, cette femme a compris qu'elle fournissait beaucoup d'efforts, mais dans la mauvaise direction. Elle a compris qu'elle était en mouvement, mais sans progresser, sans avancer. Son argent pouvait payer tous les médecins, acheter les meilleurs traitements, mais ne pouvait pas lui garantir la guérison, la santé. C'est de là que vient la guérison, chers frères et sœurs. Demandez à Jésus, se tourner vers Jésus. Oui, frères et sœurs, la guérison véritable vient de Dieu lorsque nous nous abandonnons à lui. La femme n'avait même plus besoin que Jésus la regarde. Elle n'avait plus besoin de l'arrêter ou d'interrompre sa marche.
Tout ce dont elle avait besoin, c'est de croire que Jésus était la solution à son problème. Elle avait besoin d'avoir une foi agissante, au point de se frayer un chemin dans la foule. Oui, ainsi en déclarant sa guérison, en touchant le vêtement de Jésus, le miracle de sa vie s'est produit. Elle a fait l'expérience d'un retour à la vie, l'expérience de ce Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Frères et sœurs, nous faisons tous partie de ces enfants qui se sont éloignés de l'amour de leur Père à cause de certaines difficultés de la vie et de notre manque de confiance et de patience. Oui, trop souvent, nous sommes à la recherche de solutions express. Résultat, nous sommes épuisés, découragés, abusés par la vie. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur vient nous rappeler une chose importante. Son amour pour nous, peu importe notre manque de foi, il nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Le Seigneur nous invite ce matin à refaire notre examen de conscience, à retourner au fond de notre cœur, à arrêter cette course, cette recherche effrénée de miracles. Le Seigneur nous invite ce matin à arrêter ce vagabondage spirituel. Voici ces questions pour chacun d'entre nous ce matin. Pourquoi t'es-tu éloigné de moi, de mon amour? Pourquoi places-tu ta foi dans un mortel? Pourquoi laisses-tu la peur de la mort, la peur du divorce, la peur du renvoi t'intimider autant? Souviens-toi, j'ai vaincu la mort. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. Reviens vers moi, mon enfant, et je te donnerai ce dont tu as besoin. Demande-le-moi avec foi. Aie confiance en moi. Oui, ce matin, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, élève ta voix. Parle-moi comme on parle à un ami. Dis-moi ce qui te fait peur, ce qui te tracasse, ce qui te terrasse. Crois-tu véritablement que je puisse te sauver, que je peux te guérir, que je peux ramener la paix et l'harmonie dans ta famille, que je peux convertir tes enfants, que je peux te donner un travail? Crois-tu tout cela? Frères et sœurs, le Seigneur nous invite ce matin à poser un acte de foi. Et comme cette femme, à le rechercher véritablement. Oui, frères et sœurs, comme à la fille de Jaïr, le Seigneur nous dit ce matin, dans toutes nos situations de mort, lève-toi, reviens à la vie, aie confiance en moi. Frères et sœurs, tout au long de cette célébration, avec une foi agissante, déclarons la bénédiction et les bienfaits du Seigneur dans notre vie et agissons afin que par notre action, la grâce de Dieu parvienne à son accomplissement dans tous nos milieux de vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.